les petits potes, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui les petits potes, une vidéo de présentation. Donc je vais tout simplement vous expliquer ce qu'il y aura sur la chaîne Gamers2712. Donc je vais vous expliquer les différents thèmes que je pourrais aborder avec vous, hein, parce que il y aura deux grands thèmes et un parenthèse, mais vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Je vous montrerai mes comptes sur par exemple les jeux vidéo sur lesquels je joue. Donc vous verrez à quoi ressemble ma partie, ma sauvegarde si vous voulez. Donc on va tout de suite commencer avec le thème 1 qui est les jeux vidéo. Donc vous connaissez tous les jeux vidéo, bien évidemment, c'est une certitude. Et ben moi, je suis avec mon meilleur ami des grands fans de Supercell. On adore les jeux de Supercell. Maintenant, on en a que 3. On a Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans. Ça, c'est les 3 gros jeux qu'on joue sur Supercell. Après, je vous dirai parce que je joue encore à d'autres jeux. Parce que je joue sur PC, je joue sur mobile, je joue sur PS. Et c'est tout. Ouais, ça doit être tout. Donc voilà, je vous mettrai tous les noms en description. Ça, c'est pour après. Alors, pour ce qui est du Clash of Clans. Donc, si vous connaissez pas Clash of Clans, normalement une photo doit apparaître quelque part au-dessus. Je sais pas encore où. Mais vous saurez normalement ce que c'est quoi. Enfin, bref, vous voyez quoi. Alors, Clash of Clans, moi je suis HDV9. Hein. Je suis pas encore max. Mais je vais bientôt l'être parce que j'ai déjà tous mes canons level 11, bientôt toutes mes tours d'archère level 11. Je suis en train d'économiser parce que la guerre de clans va bientôt se finir, on va avoir 1 million. Donc je suis à 1 500 000. Faut que j'essaye de gagner encore 1 500 000, comme ça je serai à 3 millions et 4 millions, donc je pourrais passer 2 tours d'archère. Enfin bref, c'est des calculs que je ferai pour améliorer mes trucs. Mais pour l'instant, rien de plus. Alors, dans l'MDO aussi, je suis MDO 6, sachez-le. Là, je suis presque max, et il me manque juste mes remparts. Et les réserves, les mines, les postes de garde. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Je suis presque max non. Pour ce qui est Clash Royale, donc moi je suis arène 12, j'ai 8 légendaires, il me manque 8, il y en a 16, donc il me manque quasi les plus fortes. Dans les plus fortes j'ai Zappy, mais bon, j'ai pas méga chevalier, voleuse, archi magique et tout le bordel, j'ai vraiment pas les bonnes. Ça comme ça, mais bon, voilà, c'est encore parce que je joue moins souvent à Clash Royale. Moi, sachez-le, je joue plus à Clash of Clans et Brawl Stars. C'est vraiment les deux jeux que je kiffe à Mac. Clash Royale, je geekais avant dessus, mais bon, maintenant je suis à arène 12. À chaque fois que je fais un combat, je perds, donc j'en ai un peu marre. La photo va apparaître ici, à quelque part. De mon Clash Royale. Excusez-moi. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, je suis à rank 12. Et on va tout de suite passer à Brawl Stars. Alors Brawl Stars, je suis à 1000 trophées quelque chose, je crois. Donc je suis assez fier. J'ai commencé il y a un peu moins d'une semaine, donc voilà. Et tous les rares, j'ai pas mal de brawlers, mais plus rares, c'est les super rares. Et voilà quoi.
je saurais rien vous dire de plus sur Brawl Stars, je l'ai pas devant moi. Voilà. Alors, pour ce qui est... donc ça, c'était toute la partie mobile. Donc, tout ce qui est jeu sur téléphone. C'est, normalement, vous le savez, mais bon, voilà. Je le répète, quoi. Donc, on va tout de suite passer à ce qui est jeu PC. Donc, ce qui est jeu PC, moi, je joue à Minecraft. C'est tout. Voilà. Donc, Minecraft, je vous mettrai le nom de mon compte dans la description parce que je le connais plus par cœur, c'est un peu compliqué je crois, ou alors c'est gamer sur la tête d'os tout ça, je sais plus. Voilà, on va passer au jeu PS parce que j'ai la PS4. Je vais pas prendre la PS5 parce que j'ai pas envie, franchement j'ai assez avec mon tel et mon PC. De toute façon c'est dépensé 1000€ pour rien parce que je joue pas souvent à la PS. Donc à la PS, je joue à The Crew 2, donc j'aime particulièrement les jeux de voiture, j'ai ma vitrine. Donc The Crew 2, j'ai Minecraft, mais j'y joue moins. Et les autres jeux, j'y joue quasi jamais non plus. Donc voilà, ça c'est vraiment les gros jeux auxquels je joue. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et ben on va déjà clôturer le thème des jeux vidéo. Donc vous savez tout ce que j'ai sur les jeux vidéo. Donc vous savez, mais sauvegarder ça maintenant. Voilà. Maintenant on clôture le thème 1 et on va passer au thème 2 qui est les Lego. Donc, les Lego, vous connaissez sûrement, hein. C'est une marque assez célèbre qui a fait son apparition, je ne sais plus en combien, en 1800 ou peut-être avant, après, enfin, je sais pas. Donc, oui, hypothèse. Lolo 2, c'est mon meilleur ami et il sera souvent dans les vidéos parce qu'il est souvent chez moi. Vous pigez ? Donc moi, je serai assez souvent dans ces vidéos aussi. N'hésitez pas à aller le follow, hein. Sa chaîne sera en description. On fait beaucoup de Lego ensemble. Enfin, on en fait un peu moins maintenant, mais bon, on en a fait beaucoup. Je vais vous montrer une des créations qu'on a faites tout de suite. Donc voilà, ça c'est une des créations qu'on a faites ensemble. Donc on l'a appelé le Brava. Vous aurez dans les prochaines vidéos comment le construire, le matériel qu'il faut. Enfin bref, ce sera une autre vidéo. Ça se fera en deux parties, mais c'est pas pour maintenant. Donc le Brava, c'est une création qu'on a faite. Je viens de le tirer. Donc voilà, la particularité du Brava, c'est que c'est un robot nettoyeur, c'est pour ça qu'il a une lavette en dessous. Donc il passe comme ça et tu mouilles un peu la lavette et voilà, il lave quoi. Donc normalement il est censé passer comme ça, pas comme ça, mais bon c'est pas grave ça. On va le mettre là. Donc ça c'est une des grosses créations qu'on a faites avec le Minstorm. On a aussi la grosse maison. Et puis, on va déjà clôturer la parenthèse des Lego. Parce que, il n'y a pas vraiment d'autre chose. Si, je peux peut-être vous dire, j'utilise les Lego techniques, les Lego Minstorm, les Lego City. Et c'est tout. Donc, on clôture, clac, on passe au thème 3. Donc, le thème 3, c'est le thème tout ce qui est dehors. Vous allez voir, on fait très souvent des vidéos où on fait du cross. Je vais bientôt partir à Monaco, vous aurez des vidéos là-dessus aussi, mais ça arrivera pendant les congés de Pâques. Vous aurez même peut-être des vidéos où je serai dans des supercars. Faut que je vois un petit peu comment m'arranger.
Vous aurez peut-être une vidéo dans les Vosges, mais je sais pas encore. Donc ça, c'est pour tout ce qui est parti dehors. Donc je filme tout avec ma fameuse GoPro, hein, qui est là et que je ne m'en sers pas pour l'instant. Donc pour ce qui est dehors, on va déjà clôturer aussi parce qu'il n'y a pas besoin de plus dessus. C'est très bien comme ça. On a notre petite GoPro, on fait des bonnes vidéos. Enfin, à part quand ça bouge beaucoup, bien évidemment, mais bon, voilà, ça on ne sait rien y faire. Mais bon, on clôture le thème 3 et il y a entre parenthèses un thème 4. Donc le thème 4, ce sera du mix. Donc j'ai une grosse table de mixage, enfin une grosse, c'est une moyenne quoi. J'ai reçu ça pour Noël, j'ai deux gros baffles là derrière. Ils sont branchés à mon ordi normalement, donc il y aura quelques vidéos où on fera du mix. C'est rare parce que elle ne me sert pas vraiment à grand chose pour l'instant. Mais de temps en temps j'aime encore bien mixer. Donc voilà, ça va être tout pour la vidéo des présentations. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas le gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu, hein. Il est toujours important. Et je te dis salut. Allez, ciao. And all your fears.